Bonjour, je me présente, je suis Bruno D'Angelis, chef de cuisine à l'Hôtel d'Europe à Avignon. Un hôtel qui a près de 200 ans et qui a une histoire très riche et qui est référence, bien sûr, à notre patrimoine avignonnais. Donc on est parti sur un Saint-Pierre donc, de Méditerranée, de petits bateaux, des petits pêcheurs qui sortent en mer et qui nous font des très beaux produits. On va l'associer à un plat, à un légume terreux qui est le rutabaga. Voilà, c'est les associations que j'aime bien faire, terre et mer. Également, quelque chose qui va amener beaucoup de fraîcheur, donc c'est le poivre du Timut, c'est un poivre du Népal avec des fortes notes d'agrumes. Donc toute la fraîcheur qu'on va amener sur ce rutabaga qui a presque un goût de navet, un peu plus rond on va dire. On aura également quelques noisettes du Piémont, quelques huîtres pour renforcer ce côté iodé, donc des huîtres creuses voilà, qui sont pour moi des huîtres très rondes où on a beaucoup d'iode. Quelques palourdes du Mont-Saint-Michel aussi. On a donc ces fameuses rutabagas qu'on a déjà présentées ici, qu'on a déjà un petit peu cuites de cette façon. On va les faire mijoter dans du jus d'orange réduit. Avec toutes nos parures, on a fait une petite mousseline de rutabaga aussi pour amener quelque chose de moelleux. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir travailler sur des textures aussi. Et là, c'est du pain brûlé. C'est en fait un pain de mie à l'encre de sèche que j'ai coupé en petits filaments comme ça et que j'ai fait frire tout doucement pour avoir un petit peu de croquant et quelques petites chips de pommes de terre. Alors bien sûr, on a associé à ce plat-là un vin de la région de la vallée du Rhône, un Côte du Rhône, de la cave de l'Audin, blanc, qu'on a sélectionné avec Jérémy, mon sommelier. C'est un vin qui a beaucoup de fraîcheur, beaucoup de minéralité. On est sur des notes de fleurs blanches. On a un côté gourmand aussi et une puissance aromatique qui est vraiment très présente. Et j'ai voulu justement l'associer à ce produit de la mer parce qu'on a vraiment des notes perceptibles d'iode aussi et qui nous amènent aussi justement beaucoup de richesse. Donc voilà, un vin blanc fait par des vignerons, en tout cas passionnés, et j'en connais quelques-uns, et qui s'associent pour faire ce très joli vin. Donc on va commencer par nos rutabaga, donc ces légumes. Donc, alors il y a presque deux pots dessus, donc il ne faut pas avoir peur de prendre non pas un économe, mais plutôt un couteau bien aiguisé où on va éplucher notre rutabaga de façon un petit peu plus épaisse. Voilà, on a cette couleur déjà naturelle un peu orangée qui à la cuisson ensuite va encore se développer naturellement. Et nous, on va encore y rajouter de la réduction d'orange. Pourquoi ? Pour amener de l'acidité au plat et également pour avoir ce côté astringent aussi qui va être intéressant. Donc nos rutabaga, on va tailler des tranches un petit peu épaisses que l'on fera ensuite blanchir à l'eau bouillante salée. Donc on va ouvrir nos coques, ce qui va être la base de notre jus en fait. Alors on a un petit peu d'oignon ciselé, un petit peu de fenouil ciselé, une pointe d'huile d'olive, un petit peu de fleur de thym et un tout petit peu d'ail. Donc on fait revenir sans coloration, mais de manière assez vive tout de même. On va jeter nos palourdes et aussitôt on va y mettre du vin blanc et là à couvert pendant à peu près 3-4 minutes. Donc on a quelques huîtres creuses également qu'on a simplement
ouverte et qu'on va, par contre, très peu cuire, si ce n'est au dernier moment mettre dans la sauce avec nos palourdes pour qu'on ait justement ce côté frais et ce côté très naturel qu'on va retrouver sur l'huître. Voilà, stop, pas plus. On a 3 minutes de cuisson et déjà, nos palourdes sont ouvertes. Donc, on va les égoutter maintenant de manière à ce qu'on puisse récupérer le jus pour faire notre sauce. On récupère notre sautoir, on fait réduire notre jus et on va mettre de côté nos palourdes. On va prendre du jus d'orange pressé qu'on aura filtré et ensuite légèrement réduit. Et on va y mettre nos fameuses rutabagas qu'on aura blanchies. Alors on a taillé différents diamètres de cercles. On peut faire des cercles de manière à avoir le moins de pertes et avoir des formes différentes, ou en tout cas des formats différents plutôt. Et on va le faire mijoter tout doucement, de manière à ce qu'on ait ce sirop un petit peu, mais pas sucré, parce que malgré tout, l'orange, quand on l'a réduit, on garde beaucoup d'acidité, ce qui est intéressant, parce que le but n'est pas d'amener du sucre au plat. On va légèrement beurrer et ajouter légèrement de crème. À ces rutabagas, je vais pouvoir mettre ce poivre timu. Voilà, c'est très puissant. On a tout ce côté agrume qui ressort et c'est très intéressant. On a fait avec nos parures un tout petit peu de mousseline de rutabaga. Alors le Saint-Pierre qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a levé en filet, on va maintenant le tailler en aiguillettes. On va très légèrement l'assaisonner côté filet avec un petit peu de fleur de sel. Et on va démarrer notre cuisson. Alors pareil, du chaud, mais pas trop fort pour pas que ça rétracte les chairs. Un petit filet d'huile d'olive. Voilà. Tout doucement, on va le cuire sur la peau et au dernier moment, on le retournera pour finir sa cuisson. Alors à notre jus, on va ajouter nos jolies palourdes qu'on va garder en coquille, un petit peu comme ça. Alors là, maintenant, il faut faire très attention. Pas de surcuisson, c'est la première des choses qu'il faut surveiller. Voilà, il suffit simplement de les rouler dans notre jus, comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir ajouter nos huîtres. Je récupère un tout petit peu d'eau des huîtres. Je viens détacher délicatement le pied de l'huître qui va venir glisser dans notre sautoir avec palourde. Notre Saint-Pierre, voilà, tranquillement grille. On va la pousser du feu et la cuisson du poisson va se faire toute seule. À ce moment-là, je rajoute un petit peu de fleur de sel, un petit peu de mignonnette de poivre. À notre jus, je vais rajouter un tout petit peu de ciboulette ciselée. On va pouvoir sortir notre Saint-Pierre ici. Voilà. Et on va le garder au chaud, un petit peu comme une viande. J'aime bien faire reposer le poisson pour que les chairs se détendent. On peut dresser notre assiette. On va commencer par notre petite mousseline. On va ajouter notre petite rutabaga qui s'est gorgée de jus d'orange, qui est très brillante, qui est un petit peu confite. On va disposer quelques palourdes. On va également mettre nos jolies huîtres. Voilà, elles sont très brillantes, très bombées. On va disposer quelques noisettes qu'on va juste écraser du pouce
sur nos huîtres et dans nos palourdes. Un petit peu de végétal, une petite feuille de capucine qui va amener un petit peu d'amertume. On coupe la petite queue. À ce moment-là, on va saucer. On dispose avec harmonie notre filet de Saint-Pierre qui est juste cuit comme il faut. Et là, un petit peu de croustillant, voilà, dans l'esprit du rangé-dérangé qui représente ma cuisine. On a un plat à la fois sur l'iode, le croquant, le parfum, l'acidité et cette pointe d'amertume qui va caractériser ma cuisine, en fait. Donc voilà, on a notre Saint-Pierre de petit bateau avec quelques rutabagas au suc d'orange, des palourdes, quelques huîtres creuses, des noisettes du Piémont torréfiées et le jus des coquillages et la note un petit peu agrume avec ce poivre du Timut, ce poivre du Népal qui va amener du fraîcheur au plat. Alors bien sûr, on a ici un très beau vin qui est fait avec amour par les vignerons de cette cave de l'Audun et qui en tout cas va amener une touche, un peu de peps à ce plat-là. Merci. Situé sur la rive droite du Rhône, l'Audun Chusclan Vigneron est le fruit de l'expérience de 250 familles de vignerons. Leur gamme de vins des Côtes du Rhône se distingue par une riche diversité et une remarquable constance de qualité. La fraîcheur caractéristique de leurs vins provient de la répartition d'une grande partie du vignoble sur des coteaux qui culminent à 200 mètres d'altitude. La cave de Chusclan Vigneron présente cette cuvée Excellence, un l'Audun blanc sur le millésime 2013, avec un assemblage de cépages blancs typiquement de la région. En bouche, ça confirme le nez, avec ses notes de beaux fruits très mûrs. On a un léger côté iodé, un boisé très élégant. C'est fin, on a une belle longueur en bouche. Ce vin s'harmonisera parfaitement avec l'aiguillette de Saint-Pierre, rutabaga orange et jus de coquillage.